Mais c'est pas facile parce qu'il y a un petit décalage. Et en plus, je sais même pas ce que je fais, quoi. Je sais même pas ce que je fais quand je regarde en film, quand je joue en filmant, quoi. Ah non, je suis débile, moi. Oh là là, hey. Ce jeu-là, j'ai joué depuis mes 7 ans. C'était la nouvelle qualité du jeu que j'arrive pas à jouer. C'était juste là. Non mais oh. Qu'est-ce que tu fais, Link, héros? Suis-je vraiment Link héros ou je suis hors German? Hé, regarde, parle! Appuie sur elle et parle-moi! Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Taya? Eh ben voilà! Tu vois, t'es pas trop en beauté! Quand je m'approche de quelque chose ou de quelqu'un, appuie sur elle pour utiliser la visée! Utilise la visée elle pour parler aux gens, même s'ils sont loin! Mais il n'y a rien à cibler alors! Il n'y a rien à cibler, utilise elle pour regarder devant toi! Bon, si ça suffit pour l'instant, approche-toi et... Oh là là, quand je vais faire des doublures, si un jour si j'ai l'occasion de faire des doublures sur les personnages, ça sera mal parti. Alors, approche-toi de cet arbre et regarde-le. Je me casse. Oui, qu'est-ce qu'il a cet arbre? C'est bizarre. Je trouve que cet arbre te ressemble étrangement. Il a l'air sombre et malheureux. On dirait même qu'il pourrait pleurer d'un instant à l'autre. C'est tellement triste. C'est vrai qu'il me ressemble un petit peu. Je suis triste. Petit mojo. Ah oui, tiens, je sais pas si vous avez remarqué, pour tous ceux qui ont déjà vécu à la version Nintendo 64, ou comment c'est beau. Comment c'est beau. Attends, je vous en parle après. Voilà. Donc, comme vous avez remarqué, Link Mojo, bon déjà, c'est super cool parce qu'il est super souple comparé à la 64. Hein, je ferai une comparaison, c'est sûr. Et quand je tourbillonne comme ça, et ben on voit qu'il a une branche qui apparaît derrière sa capuche. Je sais pas si vous pouvez le voir. Il y a une sorte de branche qui apparaît derrière sa capuche et qui tournoie comme ça. Donc ça fait une... Sur la 64, ça n'était pas ça avant. Avant, c'est sur la 64, avant, ça y était pas, ça y tournait juste sa capuche comme ça, et puis voilà. Ceci est une pierre Shaka, qui vous donne des indices. Oui, je vous spoil. Jeune garçon, tout est confronté à une terrible destinée, n'est-ce pas? Oh, Taya, elle a peur. Elle a peur. Elle est effrayée. Je suis le propriétaire de la foire au masque. Je voyage à travers le monde et la recherche de mon masque exotique. Pendant mon voyage, un de mes masques m'a été dérobé par une sorte de lutin alors que je me suis reposé dans les bois. C'est pourquoi je suis là, et maintenant j'ai été trouvé. Je le prends pas mal, mais ça fait un petit moment que je te suis. C'est vrai, je t'ai pas vu. Je connais une façon de te rendre ton apparence normale. Si jamais tu peux récupérer l'objet précieux qui a été volé, alors je pourrais te rendre ton apparence normale. En échange, tu dois récupérer le masque précieux qui a été dérobé par ce vilain lutin et me le rendre. Quoi? Ce n'est pas une tâche facile. Non, mais je ne crois pas qu'elle soit trop ardue pour toi. Si ce n'est que... En fait... Je suis quelqu'un de très occupé. Je dois partir dans 3 jours. Ce serait fantastique si tu pouvais me ramener le masque avant que mes affaires ici ne soient réglées. Mais je crois que tu m'en sortirais. Tu es jeune et tu me sembles doué d'un immense courage. Tu trouves un moyen, j'en suis sûr. Oui, je trouverai un moyen. Oh, j'oublierai. Oh, j'ai oublié. Jette donc un œil par ici. Je suis désolé, des fois j'ai vraiment des difficultés à lire, je sais pas pourquoi. Tu vois cette pierre étrange juste là? C'est ce qu'on appelle une pierre Shaka.
Si tu as des ennuis, tu peux les partager avec elle. On dit qu'elle est de bons conseils. N'hésite pas à lui en rendre visite si tu te sens perdu. Bon, je crois que tout est dit. Je compte sur toi. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, c'est comme ça que moi je limite la voix de Link enfant. Homme du premier jour, 72 heures restant. Avec le petit chargement de Skull Kid. Ça y était pas ça à l'époque. Hein. Sud de Bourges-Clochers. De Bourges-Clochers, tout simplement. Parce que Bourges-Clochers. Alors ça, pour une surprise, c'était le vendeur de masques de l'autre jour. Oups, je pensais à une autre voix. Je pensais à autre voix. Mais 3 jours, même sans dormir, ça ne fait que 72 heures. Tu parles d'une quête? Bon allez, secoue-toi un peu, il faut aller voir la grande fée. Tu veux retrouver Skull Kid, il me semble. La grande fée saura ce qu'il faut faire. Et elle sait généralement tout ce qu'il y a à savoir. En fait, toi et moi, mais c'est un secret, Skull Kid n'arrive pas à la cheville de la grande fée. Normalement, le sanctuaire où elle vit devrait se trouver quelque part en ville. Comment ça, où ça? J'en sais rien, moi. Je passe pas ma vie dans cette ville, figure-toi. Pose donc la question aux gamins qui traînent dans le coin. Ils sauront peut-être où il se trouve, ce sanctuaire. Oui, tous ceux qui n'ont jamais connu Majora Mask. Hein. Donc des fois, il faut traîner un peu partout, comme ça. Tiens, ça, c'est super important. Je m'approche. Hop. Sauvegardez votre progression à ce niveau de l'aventure. Non, pas tout de suite. Donc ça... Ah oui, c'est important. Sauvegarder la progression de votre niveau de l'aventure. Bah oui, je vais sauvegarder. Hop, voilà, c'est sauvegardé. Voilà, c'est sauvegarder quoi, c'est tout. Sur la Nintendo 64, avant, il fallait, quand tu sauvegardes sur le hibou, ça te sauvegarde seulement ce jour-là. Bon, enfin si, ça sauvegarde ce jour-là, tel temps précis. Puis après, il te faisait quitter automatiquement le jeu. Et quand tu reprends, ta sauvegarde, elle s'efface toute seule et tu dois continuer l'aventure comme ça. Quand tu reprends la sauvegarde. Donc le sanctuaire de la fée, donc des fois pour les débutants, ils disent « Bonjour petit morveux !»« Qu'est-ce que tu veux, crevette? Tu vois pas que je m'entraîne à la Saint-Barcane? Si tu ne peux pas m'éclater à ce ballon, alors viens pas me gonfler, Jim Moose !»« Non mais il se prend pour qui, ce marmotte? Quel insolent Laisse tomber, on va pas se... laisse tomber, on n'a pas de temps à perdre avec lui !» On doit vite trouver la grande fée, je suis sûr qu'elle est tout près. Oui, elle est tout près. C'est peut-être Tingle qui l'a. Ouais, tiens, Tingle, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Habit vert? La fée blanche? Mais y, serais-tu? Serais-tu par chance une fée des bois? Oh là là! Je m'appelle Tingle. Je crois être comme toi. Mais y, une fée des bois. Hélas, bien que je sois âgé de 35 ans, aucune fée n'est encore venue en moi. Venue me voir. Venue en moi, qu'est-ce que je suis nul. Mon père me dit de grandir, d'agir en adulte responsable, mais pourquoi donc? Je vais te dire, Tingle est l'absolue réincarnation d'une fée. Alors, pendant que je me tiens là à attendre une fée, je vends des cartes pour aider mon père. Vénard, chanceux, tu as de la chance d'avoir une fée. Je sais. Nous devrions être amis, oui. Et en échange, je te vends une carte, un prix d'amis. Alors achèteras-tu une des cartes de Tingle? La Bourges-Clochers, c'est important. Youpi! Donner une carte de Bourges-Clochers. Elle vous permettra de vous orienter dans la ville, blablabla. Voilà, on connaît. Hein. Une carte, ça sert à se pas perdre en bas de l'écran tactile. Bon. Mais dis-moi, sais-tu comment lire une carte, plaisir? Tu peux toucher la carte sur l'écran tactile pour alterner entre la carte générale de l'endroit où tu es en agrandissement. Si tu touches
cartes. Tu accéderais à l'écran de cartes où tu pourrais voir tout un tas de trucs. Il faudrait que tu essayes ça, oui, il faudrait. À bientôt. Tang Tang, que l'on l'a. Ce sont les mots magiques que Tang a créés tout seul. Ne les vole pas. Bah dis donc, tu crois que je vais voler tes mots? Tes mots un peu spéciaux. Fontaine des fées. Oh non, la grande fée! Petit homme, écoute mon appel. J'ai été brisé en morceaux et dispersé par Skirkid. Trouve la fée égarée quelque part en ville et amène-la à cette fontaine des fées. Voilà. Eh oui. La grande fée qui a été... qui a été décapitée. Il faut retrouver... le bras de la fée pour... pour le reconstruire. Oups, il y a un petit postillon sur l'écran. Postillon sur l'écran, c'est bien dégueulasse. C'est bien parce que je fous aucun, comment dire, aucune postillon sur l'écran de la caméra que je filme, mais par contre sur l'écran de la DS, oui. Va comprendre. Ouh, il fait peur un peu le masque. Est de Bourges-Clocher. Bourges-Clocher. Hop, un rubis. Deux rubis. Un seul môme. Qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin de l'aide des bombers? Enquête sur tout ce qui se passe à Termina, alors tu peux nous demander tout ce que tu veux. Le sanctuaire de la grande fée, je crois que j'ai entendu dire qu'il était au nord de la ville. Ouais. C'est seulement maintenant qu'il dit ça. Et lui? Va du balai, je suis occupé. Ah, j'adore cette musique. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'as, petite peste mojo? Fais en ville. Le sanctuaire de la grande fée, j'en ai entendu parler, mais je crois pas qu'il soit dans le coin. Tu es allé voir au nord de la ville? Ouais, ça, c'est bon, j'ai déjà vu la fée. J'ai déjà vu la fée. Qu'est-ce qu'il veut, Taya? Skulkid est allé trop loin. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Vite! Nous devons retrouver la fée égarée dans la ville pour rendre la grande fée son apparence normale. Ah, regarde! L'heure qu'il est! Il ne reste même pas 3 jours! Bah si, on a encore le matin. Alors, hop! Vu que moi j'ai déjà vécu le jeu sur Nintendo 64, la fée n'est pas là. Je crois que je m'en souviens, elle est carrément... Elle est carrément autre part. Vous pouvez tout dire sur les commentaires si j'oublie quelque chose dans le jeu, si mes vidéos ça n'est pas terrible. Bon, après, si vous pouvez parler de la qualité, c'est normal. Petit homme, entends mon appel. J'ai été brisé en morceaux et dispersé par Skulkid. S'il te plaît, trouve un moyen de me ramener à la fontaine des fées au nord de Bourges-Clocher. C'était un petit peu trop fort en fait, hein. Voilà. Je crois que c'était un petit peu trop fort, je crois. Je crois que pendant une début de session, je vous ai peut-être un peu pété les oreilles. Ou alors de pas bien m'entendre ma voix. Ah, de toute façon, j'en sais trop rien pour l'instant, parce que j'ai pas tout testé sur la caméra, parce que je suis tellement pressé de tourner la vidéo. Attends une petite minute. Oui, j'imagine trop avec une petite voix, lui. Parce que quand il t'appelle, il siffle. J'essaie de faire une petite voix drôle, tiens. Ceci est une propriété privée. N'utilise pas quand je ne suis pas là. voilà. Oui. Je veux du Yamakaki. Moi, j'ai récupéré la petite fée qui était perdue dans une rivière, une petite rivière. Et là, je vais la porter
tous les autres fées pour former la grande fée. J'ai récupéré son bras pour lui ramener, pour lui coudre son, depuis son épaule. Petite fée, je rends ton bras.